bah, attends, mon verre, là. Oh la vache. Oh, ça va, Jeanne. Wow. Merde. Oh. Oh, oh, oh. C'est Jean, merci. Le vin. Oui, attends. Non. Arrête, arrête, arrête. Non. Arrête, arrête, arrête. C'est arrête. 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 Arrête, arrête. On ne peut pas non. Dire là. Non, attendez, non. Attendez, arrêtez. Non, c'est très gentil. C'est très. Non. Arrête. C'est les costumes, c'est ça? Non. Mais oui, mais attendez, bah, parce qu'il y a. Non, oui, je. Voilà. C'est ça. Bah oui, mais après. Ça va? Non, mais arrête. Non, mais oui, c'est gentil. Mais... Je sais. Voilà. Voilà. Non, mais c'est gentil. Non, mais c'est très gentil. Je crois qu'il y a, il y a beaucoup de gens. Parce que... À un moment donné, non. C'est obligé, il faut qu'on parle. C'est pas mérité. C'est obligé, monsieur. C'est pas mérité, tout ça. Attends, non, je crois qu'ils sont... Je crois qu'ils sont... On peut pas... Je ne peux pas le dire. Dis-le, parce que chéri. Vous n'avez pas confondu avec Matt Pokora? Non, sérieux? Non, parce que... Non, nous, on a raté. On a cassé. C'est pas mérité, tout ça. Ah, non, c'était pas... Ça devait c'est pas gentil, être comme ça. Mais c'est pas mérité. Parce que... On a cassé la magie de l'âne. Je sais pas, on a fait... On devait faire des trucs... Là, c'est gentil comme accueil, mais on devait faire des trucs incroyables avec l'âne. On a eu un problème de crochet, là. Ouais. Et en plus, tous nos sketchs sont à base de crochet pour la suite. Alors, ça foire dès le début. Le mieux, c'est si jamais on a encore un problème de crochet, on va faire un système de serment avec le public. Voilà, ouais, c'est... Oui, on va passer, voilà, on va passer une sorte de pacte entre nous. Oui, voilà, parlez à mon cul, ma tête est là-bas. On va passer une sorte de pacte entre. Bravo, bravo la blague, bravo Eric, bravo Eric, super van, vous ne connaissez pas. Merci. Non, mais sérieux. On va passer une sorte de contrat de confiance entre vous et nous. Comme ça, vous nous jugerez pas si on a encore un petit problème de crochet, et vous, on vous jugera pas. Quoique, non, vous êtes vraiment bien, donc on vous jugera pas. Comme ça, il n'y a que nous. Si, j'ai vu un petit problème de fringue. Ouais, il y a un problème de fringue là, notamment. Très bien. Mais je ne jugerai pas. Alors, pour le serment, on va vous demander à tous de lever la main droite. Levez la main droite, tous, s'il vous plaît. Tout le monde lève la main. Allez, tout le monde. Répétez après moi. Je sous-signais public d'Éric et Ramzy. Je sous-signais public d'Éric et Ramzy. M'engage à passer une super soirée. Je m'engage à adorer le spectacle, quoi qu'il arrive. Je m'engage à rire à toutes les vannes, même si certaines me font de la peine. Je m'engage sur la A1 quand je vais à Paris. Je m'engage dans l'armée de terre pour apprendre un vrai métier. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. La main. Je m'engage à fantasmer sur les deux comiques. Oui. Attendez, c'est pas fini. Surtout sur Eric. Arrêtez, mais c'était moi, ça va. Ah ouais, bah alors, attention, parce que là, vous vous engagez à fantasmer sur un petit personnage de chez Pixar, hein. Si vous fantasmez sur lui, hein. C'est pardon. C'est méchant, ça. Si, non, mais je trouve, si, tu ressembles à Monstres et Compagnie, je trouve... Tu sais, si, vous avez vu le Monstre et Compagnie, tu ressembles à... Si. Ça n'a rien à voir. Mais ça a grave à voir avec ce costume-là. Ah oui, le petit personnage mannequin, le petit blond, là. Mais non, mais attends, il n'y a que des monstres dans Monstre et Compagnie. C'est Monstre et Compagnie, des monstres. Ça s'est pas trop marré, je suis désolé. Oh non, ça... Ça s'est pas marré. Écoute, il se fout de ta gueule, là-bas. Là-bas, ça se fout de ta gueule, okay. Là-bas. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va couper la salle en deux. Ça, c'est ta partie. Ça, c'est mon groupe. Ok. Alors attendez, ok, d'accord. Ok. Attendez. Ok. Ça va. Ok. Non, c'est pas grave, regardez. Alors attendez. On va faire ça, d'accord. Mais s'il y en a qui veulent changer de groupe, qu'ils le fassent tout de suite. Parce qu'après, il y en a pour une heure et demie.
Oh, c'est personne. Gentil, vous êtes tous restés. Parce qu'hier, ils sont tous allés là-bas, j'ai joué devant 3 personnes. Ça va, mon groupe? Bon, bon groupe. Bon groupe. Bon groupe. On va se prendre un petit nom pour bien se différencier de ce... Ta gueule! Bon, mon groupe, on va se prendre un nom pour bien se différencier de cela. Tu peux rester avec nous, toi. On va s'appeler, répétez après moi, on est les Texas Couscous. Mon groupe, on va se prendre un nom plus classe, répétez après moi, on est les Isabelle Huppertz. Attends, j'aime bien ces noms. Trop tard, choisis, c'est choisi. Bon, c'est pas grave. Ça va, mon groupe? Bon, mon groupe, on a donc 1h30 pour réaliser l'opération, répétez tous après moi, kill Isabelle Huppertz. Kill Isabelle Huppertz. Mon groupe, après moi, non, mais vous rendez compte de ce que vous dites, les Texas Couscous? Bon groupe, après moi. Non, mais pas un couscous. Bon groupe, après moi. Vous êtes complètement un jeton. Vous êtes complètement un jeton. Bon groupe, après moi. Ah ouais, et vous, vous êtes complètement un... Ah ouais. Envoyez les gastro, tout ce que vous avez dans leur gueule. Bon groupe, après moi. Minable. Mon groupe. Mon groupe, Texas Couscous, après moi. Bloqué. Tourné. Isabelle Huppertz, vous avez entendu? Vous êtes à deux doigts de vous en prendre plein la gueule. On est chargé, on est au maximum. Quoi? Quoi? Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le représentant légal des Isabelle Huppertz. Oui, très bien, mais ça c'est facile. Vous avez quelque chose, un papier qui justifie ça? N'importe qui peut venir. Merde, je l'ai laissé dans le cul de mon âne. Ah ben non, alors dans ce cas, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut justifier de votre identité? Demandez s'ils me connaissent. Vous connaissez cette hurluberlu? Ça va, c'est bon, pas besoin de... Nous demandons la paix. Voilà qui est sage. T'as pas vu mon petit frère? Bon, les Texas Couscous, on rengaine, ravalez. Allez, on arrête tout ça. On fait tous l'amitié. Allez, on va faire la collade. On se prend, attention, excuse-moi. On va faire la collade de la paix. Voilà, on se prend tous dans les bras. Voilà, comme ceci, on se tapote. Voilà. Allez, que ceux qui ont les plus longs bras là-bas prennent ceux du fond là-bas. Voilà. T'as des longs bras, toi. Et on se tapote comme ceci. Voilà. Voilà. Vous prenez là, vous touchez ici, là où il n'y a pas d'abdos, c'est mou là. Vous voyez? Et vous tapotez là où c'est coupant? Non, c'est pas coupant, j'ai fait de la muscu. On fait la chanson de l'amitié? On fait la grande chanson de l'amour. We will, we will. Mais non! On vous a demandé de répéter, pas de répondre. Vous répétez we will, we will, we will. Incroyable. Back to the line, please. Back to the line, please. Please, sorry. Back to the yellow line, please. Sorry, I love you. Sorry. Stop up. Back up. Switch up. Sorry. Link up. Welcome to America, mister. The country where everything is possible. The land of espoir. Allez, on y va. Je vais vous mettre tout de suite un tampon. Sur le passeport, hein, bien sûr. Bof. Pardon. Alors, monsieur Dutilleul. Vous n'avez pas compris la blague, hein, ça, je vois très bien. Allez, c'est parti. Welcome to New York. Welcome to Boston. Welcome to New Orleans. Welcome to Detroit. Bah, monsieur Dutilleul, mais qu'est-ce que vous faites? Non, it's okay, Brandon. It's okay, non, Brandon. Non, monsieur Dutilleul, vous croyez où ici? Vous savez où vous êtes? Vous êtes à la douane américaine. Alors, suivez-moi. Non, mais ça, okay, suivez-moi. Oh, mais ça va pas, vous croyez où, là, monsieur Dutilleul? Vous faites le malin avec moi, très bien. Eh bien, vous voulez faire le malin, nous allons basculer sur la procédure initiale. Nous allons remplir le formulaire BDW-EDW-BIDA-DU-BA-DIDU-DA. Motif de votre voyage aux États-Unis. Ah, oh, mince, je le savais, ça. Découvrir d'autres cultures et être le digne ambassadeur de
l'élégance française, ainsi que du bon goût et de la nouvelle cuisine. Formidable. Parfait pour Miss France, mais pour nous, ça ne va pas aller. Monsieur Dutilleul, avez-vous fait votre bagage seul? Oui, oui ou non? Ou non, d'accord. Oui ou non? Oui ou non, d'accord. Oui ou non? Oui ou non. Monsieur Dutilleul, oui ou non? Avez-vous fait votre bagage? Oui ou non? C'est oui, alors je mets oui. Si c'est non, je mets non. C'est oui, alors je mets oui. Mais oui, oui, c'est pas. Ou non, attention, c'est non, c'est non, c'est non, non, non. Qui a fait votre bagage alors? Répondez-moi. Répondez-moi. C'est un gros bagage. Mmh. Je pense qu'ils ont dû être 6 ou 7 à le fabriquer. Mmh. Et que leur leader spirituel est incertain. Samsonite. Très bien. Je vois qu'on a un petit problème tous les deux. Vous comprenez quand je vous parle en anglais depuis le début, là, oui. Là, vous comprenez la zone anglifère? Là, vous l'avez? Yes, I am a carrot. Ok, très bien. Donc, vous foutez de ma gueule, vous, complètement. Hein. Et ouvertement. Très bien, je mets ouvertement. Ok, question qui fâche. Monsieur Dutilleul, en 1983, est-ce vous qui avez tiré sur Ronald Reagan? Ne se prononce pas. Non, non, monsieur Dutilleul, j'ai pas besoin d'elle ne se prononce pas. J'ai besoin que vous me disiez un oui ou que vous me disiez un non. Je vous conseille fortement que vous me disiez un non. Ah, d'où je viens, on ne donne pas de nom et même sous la... Monsieur Dutilleul! Ziggy. Ah, vous voyez? Ziggy comment? Il s'appelle Ziggy. C'était vraiment... Monsieur Dutilleul, je la connais, je la connais, je la connais. Non, ah, non, un nom, vite! Ziggy... Ziggy... Stradivariosoni. Quesapellerio Quesac. Très bien. Alors. À toutes les brigades. À toutes les brigades. Veuillez intercepter tous les Ziggy Stradivariosoni qui s'appellent Lerio Quesac, qui se présenteront à la douane américaine et vérifier son emploi du temps depuis 1983. Je suis tombé sur une bien belle balance ici. C'est pas une balance. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Reculez des statues. Oh, dégagez des statues. Sortez des statues. Out of Africa. Out of Africa. Tout de suite, out of Africa. Monsieur Dutilleul, est-ce que vous avez déjà eu envie d'attaquer un Américain dans votre vie? Attaquer comme dans le... Comme par exemple... Hey, il y a un Américain. Un Américain, qu'est-ce qu'on fait? Attaquons-le. Comme ça. Attention. Attaquer. Attaquer l'Américain. Hop, oh, ça va. Ou quoi? Ça va, là. Vous arrêtez de m'attaquer, là, maintenant, ou quoi, là? Oh, il faut quoi, lui, là? C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Ok, tu veux faire le malin? Eh bien, vous l'aurez voulu. Test américain de la vérité. Oh non, je suis très sensible à l'hypnose. Do you want to attack us by Boeing? Boeing. Yes, it's possible. Yes, it's possible. Yes, it's possible. End of the hypnotizing. Ladies and gentlemen, please go to the other guichet. Here, I have a maybe terrorist. Yes, I am a maybe terrorist. Monsieur Dutilleul, à quoi vous faites le malin avec moi ou quoi? Depuis tout à l'heure, je suis gentil et sympa. Vous auriez pu être au guichet d'à côté. Le guichet d'à côté, il rigole pas. C'est le guichet de Brandon. Brandon, ça vous dit quelque chose, Brandon? De l'île de la tentation? Moi, non. Mon pauvre garçon, va. De l'île de la prison. Guantanamo, ça vous dit quelque chose, Guantanamo, dans votre petite tête, Guantanamo? J'adore cette chanson. Quelle chanson? Guantanamo. Non, monsieur Dutilleul, non, 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 arrête, non, 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 bon, arrête, allez, bah, vas-y, on y va, allez, super. Guantanamo. Fini, désolé, je peux vous dire que vous ne rentrerez pas dans mon pays, vous. Chut, toute la journée, tu vas faire, hop, douane, hop, Guantanamo, toute la journée au soleil, tu la vois, dans le cagnard, entre quatre murs, comme ça, hop, à galérer, sous le soleil, avec la combi orange, tu la vois. Oh, ça va bien t'aller les oranges à toi, je te le dis. Hein. Bien les jus d'orange à toi, t'aimes bien ça. Monsieur Dutilleul, je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis d'Amérique. Oh, la prochaine fois. À bientôt. Merci. Ha, 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 ha. Que signifie ce sketch là? À vrai dire, rien. Non, 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 on peut pas. Par contre, on peut terminer ce sketch en jouant au jeu des 7 différences. Voilà une bonne idée, Eric. Nous, ce qu'on va faire, on va se figer. Et vous, les enfants, vous allez nous dire à haute voix les 7 différences que vous aurez remarquées. C'est à vous. Non. Eh non, non. Il fallait trouver mon grain de beauté. Là, mon plâtre, on ne l'avait pas vu. Le petit nuage derrière n'y était pas tout à l'heure. Le revers de mon pantalon est derrière la languette. Sa calvitie naissante. Sa calvitie adulte.
sa méchanceté. Un beau gosse et Jayan Coucou. Quoi? New York, 1929. Mon nom est Clifford McKenzie, mais tout le monde m'appelle Cliffou. Jusqu'hier, j'étais l'incarnation du rêve américain, ouais. J'ai fait fortune dans la moquette. The King of the Carpet, qu'on m'appelait à l'époque. Ouais, mais tout ça, c'est fini. Avec le krach boursier, mon entreprise a fait boum. J'ai plus qu'une seule solution aujourd'hui, c'est me jeter à l'eau dans le Hudson River. Une fin de parcours bien pathétique, ma foi. Krach, boum. Hudson River. Washington Post, Herald Tribune, New York, boum boum, demandez le San Francisco. Allez, viens, Benji. Ce petit bonhomme va être la dernière personne qui va me voir vivant. Dis-moi, jeune rouquin, approche par là. Ouais, monsieur, je suis pas rouquin, je suis Acajou. Très bien. Dis-moi, Acajou, c'est quoi ton petit nom? Scooter, monsieur. Et comme je suis le roi de la débrouille, tout le monde m'appelle Scooter des merdes. Génial. Dis-moi, Scooter, ça t'intéresserait de gagner une petite pièce facilement? Oh, pour sûr, Cliffou. Si vous, vous êtes le roi de la moquette, moi, je suis le roi de la quête. Oh, attends, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce toi qu'il y a, mais n'importe quoi. Tous les lundis, vous venez à chaque fois. C'est la première fois que je te vois. Vous demandez des trucs dégueulasses. Je t'ai jamais vu. Oh, n'importe quoi. Je t'ai jamais parlé de ma vie. Allez, ta gueule, c'est bon. Tiens. Va donc voir ton rédacteur en chef et dis-lui que le grand Clifford McKenzie s'est foutu à l'eau. Je vois déjà les gros titres de ses journaux. Le roi de la moquette était au bout du rouleau, ouais. Waouh, un dollar? Oh, merci, Cliffou. Avec ça, je vais enfin pouvoir acheter un collier à mon grizzly, Benji. Ah, parce que ça, c'est ton grizzly, ça? Oui, et holy moly, vous voulez que je vous raconte comment je l'ai rencontré? Non, moi, je... Oh, good lord, c'est une histoire formidable. Laissez-moi vous la conter. C'était le jour de la Thanksgiving. Ma mère avait préparé une dinde qu'elle avait glissée dans la chaussette pour délirer, avait-elle dit. À ce moment-là, qui a gratté derrière la porte? Qui? J'en ai rien à foutre, mais un point, c'est hallucinant. C'était Benji. Ouais, tu vois, je le sais et je m'en fous. Ce petit con commence à me saouler en fait avec ses histoires. Surtout que j'ai une chose beaucoup plus importante à faire. Oh oui. Me suicider. Quoi, Benji, mon grizzly? Tu sors du danger? Holy moly, montre-moi la route! Show me the way! Good Lord! Enfin, Cliffou, vous n'allez pas vous suicider jour de la 4th of July! It's a beautiful Tom Cruise day! Ouais, mais arrête, it's a hardest night! Excuse-moi, deux secondes, attends, arrête! Quand je fais mes apartés, là, quand je parle de mon côté, tu m'entends pas? Si, vous étiez à 2 mètres, j'ai entendu. Non, on peut pas. Pardon. Le sketch, parce que le sketch pas... fonctionne sur mes apartés. Alors j'entends c'est... encore. Pardon. Là. Ce petit con commence à me saouler avec ses histoires. Là, tu m'entends si je suis là? J'entends moins bien, mais j'ai l'habitude de parler au rideau. Donc je... Non, c'est bon. Je vais le faire là. Là. Pour le rideau. Là, là, il peut pas. Merci. Ce petit con commence à m'exciter avec ses petites fesses. J'ai qu'une envie, c'est lui écarter. J'entends très très bien, là. Ok. Donc le test a fonctionné. Attends, je vais bien trouver un endroit où t'entends pas. Là, ce petit con commence à m'exciter avec ses petites... Non, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Non, laissez-moi. Non, mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Mais Eric, attendez, vous voyez bien que je suis en plein spectacle. Ce petit... Arrêtez! Non, jamais je ne vous suivrai dans cette voiture. Arrêtez! Oh, mon Dieu! Vous avez fermé les portes au loquet. Non, ne démarrez pas. D'où Jésus? C'est la route de l'aéroport. Good Lord, l'International Airport de Roubaix. Vite, Benji, mon grizzly, sans ça. Taxi, suivez ce grizzly. Oh mon Dieu, il prend la route des entrepôts. Oh non, il s'arrête juste devant l'usine à chewing-gum. Taxi, vous pouvez m'arrêter là? Vous pouvez me faire une fiche? Oui, je la mets à quel nom? Vous croyez que j'ai le temps? Freeze, Mr. Freeze. Make my desk. Que je fasse ton bureau? Make my day, c'est bureau, non, my non, desk. Clint Eastwood, il fait make my day. Make my day, motherfucker, you fucker. Motherfucker. Fucker. Fucker. Motherfucker. Fucker. Ah, ça y est. Je suis sûr que tu bluffes, toi. Ça, ce sont des doigts. Ou bien un pistolet en couscous. Hein. Ah ouais? Ouais. Et qui me dit que Mr. Freeze est pas au frais? Bravo la vanne, super vanne. Et qui me dit que c'est pas Jean Roucas qui me braque là avec cette vanne? C'est impossible. T'as fait une vanne à la Jean Roucas? Mais non, Jean Roucas invente comme ça. Et des lunettes, il vient de se marier en plus. J'ai vu dans... Arrête. Quoi? Je vois que vous êtes perdu, c'est un autre sketch en fait ça, on ne vous a pas expliqué.
En fait, le sketch, vous vous rappelez quand je me suicide, on a basé ça parce que c'est pas marrant un suicide en fait. Non mais c'est surtout à cette époque, en 1929, il y a eu 76 000 suicides aux États-Unis et à New York. Période noire. En une heure. Par la même fenêtre. C'est vrai. Go, go. J'étais là avant. Non, bah, c'est bon, prenez votre tour. C'est bien simple. Cette période, c'est la période la plus triste pour les États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States. Please welcome Mr. Franklin Roosevelt. Oui, c'est Franklin. Il a plein d'amis. Il a sa copine, la tortue, ainsi que son copain l'ourson. Sur Canal. Oui, c'est Franklin sur Tigi. Américain, américaine, tortue, turtle. Le président. C'est aujourd'hui fête nationale. Thanksgiving, que nous allons cuire des merguez. Michel, c'est la tradition. Michel, vous me direz, arrête, mais oui, mais c'est cachère. Ah, parlez-moi français, comprendre. Yes. Là, regarde, t'as quoi? Parce que tu parles, mais on dirait que t'as un plateau, alors je comprends. Oui, vous voulez boire quelque chose? Ha! Oh la vache, ça c'est un plateau. Hein? Tu prends un coca? Allez-y. Oh, j'ai un peu chaud en plus. Allez-y. Ah, c'est la poignée, attention. Juste à côté. Coca. Des glaçons peut-être? Ah oui, ça me semblait un peu chaud. Vite, vite, vite. Shake it, 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 baby. C'est pas fait arnaquer avec nos cours de mime. Non, ça, on comprend bien ce qu'on fait. Tiens, est-ce que ma femme peut se servir? Oh, bien sûr. Ah, oh, excusez-moi. Chérie, sors de là, deux secondes. Je te présente le président. Franklin Roosevelt, Babette Rochechouart. Babette Rochechouart, Franklin Roosevelt. Bonsoir. Voilà, je suis content de... Ça va, je suis le président, faites ce que je veux. Ouais, en fait, bref, retour au discours. C'est aujourd'hui qu'un drame national nous a frappés. En effet, le Texas, a été... Arrête, Benji. En effet, le Texas a été... Arrête, Benji, moi aussi j'ai envie. Et en effet, le Texas a été... Arrête, Benji, merde! Mais c'est fou, ça. Ça, vous avez l'air bien énervé. Vous jouez bien énervé. J'ai bien la peur. Je contrôle tout un pays, je contrôle pas mon grizzly. What about? Là, normalement... Excusez-moi. Hein. Monsieur le Président, peut-être c'est une question con, je devrais tout savoir. Allez-y, j'en ai entendu des vertes et des pas bonnes. Vous le voyez, mon grizzly? Alors, écoutez-moi. Moi, je peux vous dire la vérité, Mr. President? Je m'en fous, allez-y. Alors, je vais vous dire la vérité, il n'y a rien depuis tout à l'heure. Non. Depuis tout à l'heure, vous parlez à des lattes, à du lino, je sais pas c'est quoi, mais attends, pas à un grizzly. Et moi, je vous vois par là, je me dis comment on va finir ce sketch. On considère que c'est une fin de sketch? J'ai jamais autant ri de ma vie. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci. Thank you. Ça va, vous passer une bonne soirée? Ok, je m'adressais aux Huppertz, bien sûr. Que dit un rappeur en rentrant dans une fromagerie? Faites du bruit! Thank you! Woo! Vous êtes formidable! My name is Jimmy Jam! Thank you. L'autre jour, je rentre chez moi et je croise un SDF avec une pancarte marquée « J'ai faim ». Je vais le voir, je lui fais « T'es con, bonhomme, faut pas rester comme ça, faut manger, hein. ». À la limite, si tu veux pas te lever le cul, commande une pizza, mais fais quelque chose. Thank you, my name is Jimmy Chan. Woo! Thank you. Scandaleux. Scandaleux, cette vanne. Moi, je suis là, tranquille. S'il vous plaît. Non, monsieur, moi, je sors de la rue, voyez. Ah, bon, déjà, on dit je sors dans la rue, ok. Ou à la limite, je sors avec de la rue. Et encore, ça se discute. Thank you. Woo! My name is Jimmy Chan, mon fucker. Yeah, mon fucker. Voilà. Il a fait une vanne sur les SDF. L'autre jour, je me balade avec ma femme et on croise un groupe de handicapés en fauteuil roulant. Tous en file indienne. Je regarde ma femme, je fais, ça y est, ils ont installé le tramway décapotable. Thank you. Madame Steve Jam, mon frère. Alors, ça c'est fort de café, ça. Alors là, oh, les handicapés maintenant, bravo. C'est génial, hein. Super. Alors, bravo, monsieur. Hein. Vous avez peut-être des handicapés dans votre salle. Hein. Bah, mais bon, ça, vous y pensez pas. Enfin bon, non, mais... continuez. Hein. Vous êtes tellement marrants. Allez-y. Allez-y. Ouais. Ouais. Très bien. Super. Allez-y. Ouais.
Faites vos bombades. Allez, thank you. Thank you, man. Thank you. Bon, je récapépète depuis le bedu. Oh, capépète, là, dis donc, c'est Roland McDan qui faisait ça dans les années 80, je te rappelle, hein, capépète, là. N'importe quoi. Putain, oh, au prix où on paye, on pourrait peut-être avoir des blagues neuves, non? Alors, Dune, monsieur, je ne sais pas, mais déjà, si j'avais voulu faire Roland McDan, j'aurais fait... ici les intestins, vous me captez l'estomac? Non, apparemment, c'est brouillé. Mais c'est pas marrant, t'as vu? Allez, vas-y, fais-nous marrer, retourne à ton micro, là. Thank you. My name is Jimmy Jam, thank you. Mon meilleur pote, c'est un Arménien. Qu'est-ce qu'il est chiant? Non, c'est son nom, hein. Bernard, qu'est-ce qu'il est chiant. Thank you. T'as le racisme, hein. Monsieur, vous vous calmez. T'es un raciste, c'est vous. Là, c'est pas à vous de parler. Ouais. Là, j'ai un micro. L'autre, il se croit tout permis. Vous croyez tout permis, là? Ça y est, monsieur est sur scène, là. Justement, ça y est, monsieur est sur scène. Il vient étaler son pognon sur scène. C'est ça que t'es venu faire. T'es venu chez nous pour montrer que monsieur a du fric. Monsieur est sur scène, il se croit tout permis. Non, j'ai pas tous les permis. Par contre, j'ai un permis. J'ai un droit sur scène. C'est la license to joke. C'est le permis. De la répartie. Ouais, tu passes quand le permis, apparemment. Ouais, parce que. Et d'ailleurs, tu vas entendre manger de la répartie. Ouais, tu peux mettre de la lumière sur que je vois sa gueule, à celui qui parle, là. Ok, d'accord. Ok, ça y est. Allez, casse-toi, toi. Ça y est. Casse-toi avec ta lumière, là. Ça y est. Casse-toi. Ça y est. Je viens de voir sa gueule, il va en manger de la répartie. Parce qu'il me rappelle carrément la mascotte dans les années 60, aux Jeux Olympiques. Il y avait une grande mascotte, là, très allongée comme ça, qui parlait. Mais si. Ah oui, ta sœur, Footix. Celle-là, là. La grande, là. D'une, ma sœur s'appelle Katia. Ouais. Et de. Pourquoi je lui parle? Pourquoi tu lui parles? Tu ferais mieux de faire marrer la salle plutôt. Hein. Thank you. My name is Jimmy Jam. Bon, allez, du rythme là, on se fait chier, putain. L'autre, il croit que c'est lui qui décide. Ouais, c'est peut-être moi, s'il y a un problème. Ok. L'autre jour, je vais dans le parc en face de chez moi. Eh, du con. Hein, quoi? du con, écoute-moi, là, je suis là. Ouais. T'habites à côté d'un parc, c'est génial. Ouais. On est tous contents pour toi, super. Merci. Sauf qu'ici, on n'est peut-être pas des petits bourgeois comme toi, ok? On habite dans des cités où je sais pas quoi. Moi! Oui. Moi! Par exemple! Moi, le parc le plus proche de chez moi, il y a 900 km, ok? Ah bah. Et encore, c'est un parc à huîtres. Ça te fait marrer? Ouais. Moi, 27 euros alors. Pardon? Donne-moi 27 euros si tu t'es marré, c'est moi qui ai payé, ça doit être le contraire. Il est fou celui-là. Il est fou, c'est toi qui n'es pas marrant. Hein. Ok. L'autre jour, avec ma femme... Oh putain, on s'en fout de ta femme! Mais on s'en fout de ta femme! Moi, je suis venu ici au spectacle pour me marrer. Oui, je suis venu ici pour oublier que justement, ma femme, elle m'avait quitté, ok? Et maintenant, je suis célibataire. Je suis venu là pour me marrer, ok? Non, en tout cas, on sait pourquoi elle s'est barrée, sa femme. Thank you, my name is Jimmy Jam. Qu'est-ce que t'as dit sur ma femme, là? Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis devant toi, là, t'as dit quoi? J'ai rien. Bon, alors fais-nous marrer, fais ton sketch et fis ça. Papa. Fis ça, papa. À part ça, j'ai pas de répartie. Qu'est-ce que t'as dit sur mon père, là? Qu'est-ce que t'as dit sur mon père, là? Pardon? Là, je rigole plus, là. Qu'est-ce que t'as dit à mon père? T'as dit quoi sur mon père? Qu'est-ce que t'as dit sur mon père? Calmez-vous, j'ai répondu. Tu parles pas de mon père, j'étais tranquillement assis. Qu'est-ce que t'as dit sur mon père? Je n'ai pas. Qu'est-ce que t'as dit? Mais laissez-moi vous. Me laissez pas répondre. Ce que j'ai dit, c'est que votre. C'est quelqu'un de certain. Quelqu'un de très bien. Laissez-moi, vous me le. Quelqu'un vous a appris à. T'as parlé de mon père! T'es un fou, toi! Je suis un fou, moi, tu sais! Ah, j'avais pas remarqué! Ah ouais! Je vais te montrer, moi! Qu'est-ce que t'as dit sur mon père? Ça doit être quelqu'un de bien qui, comme vous, vous a inculqué des manières que quand vous entendez quelque chose qui vous choque à un spectacle, vous intervenez. Et moi, je préfère un public participatif parce que ça m'aide pour ma répartie.
Parle plus jamais de mon père, toi. Plus jamais de mon père. Ouh, j'ai peur. Non, j'ai peur. Non, non, c'est sérieux, c'est sincère. Dis donc, heureusement que j'ai pas quelqu'un comme ça tous les soirs, sinon j'arrête le métier. Ah, ben c'est bon à savoir ça, je vais te prendre un abonnement, moi. Thank you. My name is Jimmy Jim. Thank you. My name is Jimmy Jim. Thank you. Ok, moi, ce que je préfère... Non, mais je peux même pas me rasseoir, j'ai discuté avec mon pote et t'as recommencé. Moi, ce que je préfère, tu parles que de toi, c'est simple. Moi, je. Non. On est plein ici, personne ne parle de toi. Non, mais ça n'a rien à voir. Ma femme, ma gueule, oui. Mon parc. Ah non, c'est pas mon parc, comme si j'avais acheté. Mais je m'en fous de toi. Arrête de t'expliquer, fais-nous marrer, c'est mais... tout. On est venu là pour faire des skates, ouais, alors fais-nous un skate et fais-nous rigoler, merde. Quel putain, va. Ça me dérange pas, vous inquiétez pas, je le gère. Tu gères quoi? Ok. Allez, fais-nous marrer! Le message est passé. Get it through. Attends, excuse-moi une seconde là. Tu crois qu'on a payé tout ça pour venir voir un spectacle de siffloteurs là ou quoi? Pourquoi j'ai pas... T'es en train de siffloter là, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, c'est parce que j'ai les dents écartées. Mais je vais te dresser tes dents moi, si tu veux. Non, je vais te dresser, c'est pas... tu vas me siffloter. On t'a demandé une seule chose, c'est quoi? Oui. On t'a demandé un truc, c'est de me faire marrer, c'est connard. Ça. Voilà, oui. Je rajoute connard. Ça va. Fais-nous marrer, connard. Ça va, c'est bien, c'est français. Fais-nous marrer, connard. Alors vas-y, fais-nous marrer, connard. Fais-nous marrer, connard. Fais-nous marrer, connard. Voilà, avec moi. Tout ça. Ok, on y va. Arrête. Allez. Putain, c'est pas vrai ça. Allez, je monte. Maintenant, je suis là. Reste là. Reste ici. Maintenant, je suis monté. C'est pas pour rien, je peux te le dire. Okay. Maintenant, tu vas nous faire marrer. Maintenant, tu vas faire marrer la salle. Maintenant, tu vas me faire rigoler. Mais arrête de trembler. Qu'est-ce que t'as à trembler là? T'as la maladie de Wilkinson ou quoi là? Hein? Alors maintenant, tu vas faire un sketch rigolo, un sketch pas raciste, un sketch pas sur la minorité. Ok. Alors tu prends ton micro et tu nous fais marrer. Ok. Oh yeah. Pas trop l'habitude de ça. Ok, pas... Allez, voilà. Avec moi. Sans longueur. C'est pas marrant, fais-moi marrer. Fais-moi marrer. Excusez-moi, petit passage. Pardon, petit passage. Excusez-moi. Okay. Allez. Rigolo, j'ai envie de me marrer. Ah, je vois ça. Pardon, excusez-moi. Me touche pas. Hop. Tu me touches pas. Pas d'accès. Je n'ai pas d'accès. Bah, tu me touches pas, tu te démerdes. D'accord. Voilà. Ok, excusez-moi. Allez. Alors là, ça ne me fait rien du tout. Je suis pas monté pour rien, fais-moi marrer. My name is Jimmy Jam. Thank you. Je blesse personne, d'accord. Skate gentil. Ah oui. Pas raciste. Ah oui. Un arc-en-ciel rencontre un nounours. Le nounours. C'est de la merde. Ah oui, j'ai un truc qui va vous plaire. C'est de la merde. Ah, mais j'ai pas dit. Ah oui, si. Deux melons disent à une fraise. Tu te fous de ma gueule, deux melons? Non, c'est. Ah, mais non, c'est des. Tu te fous de ma gueule là ou quoi? Ambiance salade de. Fais marrer les gens, pas raciste. Putain, je suis un fou, moi! Arrête de chialer! Fais marrer les gens! Arrête de faire ta petite mauviette! Voilà, ça, c'est marrant, ça! Tu vois, là, tu bouges le pied, c'est marrant. Ça blesse personne, ça, c'est drôle. Voilà, bouge le pied, là, bouge les deux pieds, même. Bouge les deux pieds, je te dis, là. Bouge les deux pieds, voilà! C'est bien! Voilà! Là, tu me fais marrer, tu vois. Ah bon? Rigole! Pleure! Étonné! Ouais, c'est bien. Bouge les bras, voilà. Qu'est-ce que t'es comme animal là? Un canard. Alors il fait quoi le canard? Je suis un canard. Ma gueule, tu n'étais pas de canard, casse-toi d'ici. Pardon, merci. Reviens là. Salut les gens. Merci, bonsoir. Casse-toi. Qu'est-ce que t'as? Bon. Ta gueule! J'ai pas envie de rigoler, hein! Alors, ta gueule! Alors, la dernière fois, j'étais dans un parc avec un film, on faisait du cheval, et le cheval, il tombe, et c'est...
merci, merci. Merci. Merci, je suis là. Thank you, merci, je suis là. Merci, merci. C'est un personnage. Ramzy est beaucoup plus méchant dans la vie. Oui, oui, vous inquiétez pas, je peux être beaucoup plus méchant. Là, on vient un petit peu vous parler. On arrive à la fin du spectacle, donc on se permet de... Non, non, Eric, c'est pas gentil. C'est pas gentil parce qu'il leur reste un sketch et là, tu les fais. Tu, ah oui, c'est il reste le... Là, ils en sont pour l'instant à 18 euros d'humour. Là, on vient vous parler un petit peu parce que là, ça fait très longtemps qu'on n'était pas sur scène. 4 ans. 4 ans. 4 ans qu'on n'a pas joué. Ça fait 4 ans et on vient un petit peu prendre la température, si je puis dire. La taille du thermomètre. Non, bon, on peut se permettre là, on discute, ça va. Et là, pour le coup, pour le nouveau spectacle, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu quelques petits changements par rapport. On a vu notre premier spectacle ici. Oh, thank you, my name is Jimmy Jam. Bah là, pour le coup, pour ce nouveau spectacle, on a essayé vraiment de... Oh, t'as un de ses culs, toi, ma parole. Pardon. Oh, t'es malade ou quoi? Vas-y, continue. Non, non, vas-y, excuse-moi. Ouais. On disait, entre les deux spectacles, on a fait pas mal de choses, ouais. On a fait des films, notamment. Où on s'en est pris dans la gueule. C'est le jeu, Ramzy. C'est le jeu, on s'en fout, on fait des films. On n'est pas là. Hop, voilà, mais c'est vrai que sur ce spectacle, on s'est dit, on va faire un truc de carré, pas vulgaire, pas grossier. Le spectacle de la maturité, comme dirait Florent Pagny. Et en fait, c'est un spectacle, cette fois, dont on est fier, mais on s'en... Hey, t'es pas... Mais qu'est-ce que tu veux... hey, qu'est-ce que tu viens de faire là? Ça ne me fait pas, ça ne me fait pas marrer, Ramzy. Je ne voulais pas te. Mais ça me fait marrer, moi, ce que non, tu viens de faire. Est-ce que c'est mon humour? Hello, Eric, hello. Open your door. Bah non, mais pas open your... Je voulais te taper dans le dos. Je voulais. Oui, bah tu m'as fait la spatule, hein, je te préviens. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est Eric, pas du. Oui, non, non. On continue là. C'est pas. Il y a des enfants, hein. Moi, non, je fais pas des trucs comme ça. Nous, c'est enfantin. Je sais. Hello. D'accord. Childrien. Et donc, pour justement ce spectacle, on a essayé d'être très très carré, très, très carré, oui. Avec notre metteur en scène Michel Azanavicius, c'est son vrai nom. On a écrit une centaine de sketchs là-dessus. On a une petite seconde. Oh la balle, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es malade ou quoi? Ramzy. Oh la honte, arrête. Mais t'es sérieux? Non, ça va. Mais t'es sérieux? Ça ne me fait pas marrer. Mais t'es sérieux ce que tu gagnes? Ça ne me fait oh là, pas... Attendez, ça... Eric, ça, me... ça va le dos, ça va. Mais bien sûr, oh non, ça va pas, tu m'as cassé le dos. Ce n'est pas... Attendez, avant que les choses soient mais claires... Mais explique-toi aux gens de ce que... Mais c'est honteux. Avant et après, on ne fait pas ça. Mais non. Ce n'est pas... C'est vraiment... Oh, excusez, oh là, c'est très loin de ce qu'on fait. Oh. C'est tout attends. Mignon d'habitude. Oh la vache. On sait qu'on a nos ouais. familles qui viennent voir. Oh, tu m'as cassé et jamais je ne me... Oh, putain. Où tu vas? Eric, mais sérieux, t'es complètement malade. Ramzy, il y a des ondes sexuelles. Ou quoi ici? Des ondes sexuelles, Eric, je veux pas participer. Oh, je me casse, moi, salut. Non, attends, Ramzy. Non, tu t'excuses. Ramzy, s'il te plaît. Non, Eric, je veux bien rigoler, mais je me casse. C'est bon, ça y est, ok. Vas-y, c'est ok, tu te réalises ce que t'es en train de faire. Ramzy, il y a un faisceau du cul là. Oui, bah, bien sûr, je le vois pas, moi. Là, ça y est. Moi, il m'a pas touché, hein. Ok, c'est bon, ça y est. Alors, moi, je veux bien d'accord continuer avec toi, mais je vais dire une bonne chose pour toutes. Encore une fois, tu me fais ça. Une seule fois. Pèse bien ce que je te dis, hein. Tu le fais encore une seule fois, Eric, je me barre. Tu m'entends? Une fois suffira. Pas deux fois, pèse bien, mais je te promets que tu continues, Eric, je me barre, tu te rends compte? Tu es en train de devenir complètement malade, ok? Alors on enchaîne, c'est bon? Oh oui, c'est bon! Mais t'es malade ou quoi? Ça ne me fait pas marrer! Ça me fait vachement marrer, on a fait un pacte avec le public au début, on leur a dit ouais, on fait tout ça. C'est ça! Et toi, qu'est-ce que tu les choques? On est là pour... Voilà, eux ils rigolent, nous on fait des sketchs, ouais. Eux ils rigolent, sketch. C'est comme ça! Les techniciens! Exactement, il y a un technicien, oh la vache, regarde lui là-bas, il est pour nous, là-bas au son, pour notre son! Mais tu m'as fait le cul là! J'ai un coup de chaud, ça te va? Tout le monde a un coup de chaud, j'ai très chaud. Mais si j'ai chaud, mais ils ont chaud aussi les gens. On va me prendre un petit truc à boire, c'est réglé. Vas-y, on enchaîne sur le sketch sympa des enfants. Alors oui, le sketch qui va suivre, c'est un sketch où on a... Alors c'est marrant, c'est avec des animaux. On a un costume de zèbre, si l'âne vous a plu au début. Là, le zèbre est complètement délirant. Les enfants, généralement, plébiscitent le zèbre. À la fin, c'est le zèbre. Eric, quoi? Excuse-moi, mais les gens sont choqués, ils t'écoutent pas. Hein. Là, et puis, je t'ai ramené ça, c'est frais. Parce que si tu bois ça, ça te calme. Bon, alors, bois ça vite fait, à la limite, tu sors un petit peu. T'es pas obligé de rester là, d'accord? Non, parce que tu l'as choqué. Moi, tu m'as choqué, personnellement. J'ai jamais fait un sketch comme ça. Nous, c'est quoi? C'est enfantin. Oui, Eric. Et tu as vu hier le match de foot? Arrête! Mais putain, mais je suis en train de. Mais c'est toi, là! Oh mon pauvre garçon! J'arrête! T'as pas honte de voler.
Merci, tes conneries, super. Bravo la France. Oups, t'es Daisy. Putain de merde, de merde. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Ramzi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'essuyer tes conneries, mon pauvre ami là. Attends, là tu joues avec mes sentiments là. Quels sentiments là? Quels sentiments? Je suis en train de m'essuyer au salon de rose, ça se voit pas, excuse-moi, je vais pas m'essuyer là, je respecte mon public moi, pas comme toi, ok? Laisse-moi 5 minutes s'il te plaît. Hop. Mais t'es malade ou quoi? Après, hop, le sketch du Zeb. Le Zeb. Non, vas-y. Mais il n'y a pas de. Moi, je me barre après, moi. Vas-y, 5 minutes, laisse-moi 5 minutes. Jamais t'as 5 minutes. Allez, Non, 5 minutes. Non. 5. Non. 4. Non. 4 minutes. Non. 3. Non. 1 minute. D'accord, 1 minute. Okay. Tu fais quoi? Arrête! Arrête! Eric, putain, arrête, arrête, laisse-moi, arrête. Allez, aide-moi, allez, fais le bédouin, allez, ouais. allez, ya, mais donne, c'est pas le petit bédouin, allez, vas-y, allez. La cucaracha. Oh, c'était tellement... Oh, putain. Oh, la vache. Ah, je suis scandalisé de honte. J'ai honte et j'ai peur de toi, maintenant. Oh, la honte. Ah, enfin, tu reconnais, là. Mais qu'est-ce qui te prend, Eric? Je suis sûr, ils vont me prendre pour un pervers, maintenant, tu vas voir. Oh, non. Non. Là, les gens, je crois, ils doivent te prendre pour un philosophe, ou un penseur. Attends, moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est gentil. Moi, je suis... Moi, c'est le chat, moi. Gna, 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 gna. C'est mignon. C'est mignon, petit poil de neuf. Oh, c'est chat, ça va. Moi, je vais te dire un truc, mon bon gars. Arrête, arrête, moi tu m'as... Ça marche pas sur moi, arrête. Oh, tu vois, tu recommences. Je vais te dire un truc, moi. Le chat est mort ce soir. Oh. Attends, excuse-moi, mais c'est pas le rôle d'un artiste de montrer ses failles sur scène. Hello. Ouais, bah j'ai jamais vu Charles Aznavour se branler au Palais des Congrès, excuse-moi. Tu l'as pas vu en avril? Il paraît qu'il y a eu... Pardon, excusez-moi, pardon. Oh, bah, bonsoir c'est pas pardon, à tous. Tu devrais tout t'excuser personnellement à chacun. Là. Ce que t'as fait, c'est honte. Ne me touche plus. Salut, toi aussi. Bah, salut, au revoir tout le monde. Non, Ramzi, le théâtre. Au revoir. Oh, le cul. Enculé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et surtout, merci. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je crois savoir que vous êtes plus de 875. Oh putain! Oh la vache! Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à notre premier festival Andy Gag. Wouh ! Notre festival... Oh la vache ! Notre festival qui, je le rappelle, mêle humour et handicap. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Wari Bite. Je suis votre... Vous me connaissez certainement, c'est gentil. Je suis votre présentateur pour cette soirée. Pour commencer, mesdames et messieurs, entrons tout de suite dans le pif du sujet et accueillons... Putain. Vif. C'est vif, pas pif. Vif. David. Oh, David. Je t'ai dit, tu bouffes plus sur mes fiches. Ouais, ben là, t'as mangé, je lui lisais plus, j'ai lu pif, il lui a l'air d'un con. Si. Comment ça, c'est pas de la bouffe? Cul de jatte, va. Ouais, ben le prends pas comme ça. Ouais, ben prends-le comme ça, je vais t'enlever un fer, tu vas tourner en rond comme un con, toi, ça va te faire les pieds, toi. Ah, ça va te faire les pieds. Je vais m'avancer, je suis trop marrant. Merci, merci, mesdames et messieurs, mais je ne suis que le présentateur de cette fabuleuse soirée Andy Gag. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir tout de suite notre meilleur candidat. Il est imitateur. Il est sourd. Il est... Non, trop tôt, c'est trop tôt. J'ai pas dit, c'est trop tôt, trop tôt, beaucoup trop tôt. Non. Attention, vous allez gâcher la surprise.
C'est bon, allez. Il n'avait pas mesdames et messieurs. Il faut vraiment que tu me dises au moment où mesdames, moi, pas, moi qui, s'il te plaît. Arrêtez. Non, le c'est, arrêtez, j'aime pas, c'est pas maintenant. Voilà, vous cachez votre introduction. Il est imitateur. C'est trop tôt. C'est pas le top. Quand il y a le top, c'est quand je dis ton nom, tu rentres. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Deux fois. C'est sûr ou quoi? Je demande. Mesdames, top, c'est pas maintenant, surprise. Mesdames et messieurs. Je vous dis la honte, là. Arrête. Mesdames et messieurs. Il est imitateur. Il est sourd, il est muet, et pourtant il vit sa passion qui est l'imitation jusqu'au bout des ongles. Je vous prie de faire un triomphe, mesdames et messieurs, à Wacky Wack. Formidable. Wacky, venez près de moi. Nous allons démarrer votre... Wacky. Wacky Wack. Wacky Wack. Wacky Wack, Wacky Wacky, Wacky, Wacky c'est maintenant, là c'est le top. Si vous venez, bon je compte jusqu'à 5 Wacky. Wacky 1, Wacky 2, Wacky 3, Wacky 4. Ah quand même, Wacky, fabuleux. Ah, vous savez vous faire attendre Wacky, tout à fait. C'est donc la deuxième fois que vous participez à notre fameux festival. Et je suis très 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 content de vous accueillir. Alors Wacky, vous êtes là. Wacky, alors qu'est-ce que vous nous avez préparé? Oui, très bien, formidable. Et vous allez nous refaire cette fameuse imitation que l'on aimait tous, l'imitation de Coluche, je me rappelle. Pardon? Oui, je me rappelle, vous mettiez les bretelles. Je vous adore. C'est chaud là. Oui, mais c'est pas toi. Wacky, comment ça va? Vous avez, vous vous êtes attendu. Wacky, bonsoir. Merci d'être venu pour la deuxième fois à notre festival Andy Gag. Concentrez-vous, Wacky. Concentrez-vous. Wacky Wack, nous allons tout de suite commencer par une imitation. Une imitation que vous avez fait l'année dernière. Vous allez imiter un sportif que l'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mesdames et messieurs, David Douillet. Pièce jaune. Formidable. Wacky. Quelle catastrophe! Quelle phrase lourde de sens! Formidable! On était vraiment au Parti Socialiste. Mais je crois savoir que vous avez une imitation dont vous nous avez gardé la primeur. Vous allez, et vous êtes un des seuls au monde, à imiter Lady Di. S'il vous plaît. Horrible, s'il vous plaît. La dernière phrase. Très, très bien. Très bien. J'avais pas entendu la dernière fois Horrible. Arrêtez les photos. Très bien. On a fini donc de se moquer d'un mort. On va donc maintenant... J'ai compris mes trois imitations. À vrai dire, je vois pas la différence qu'il y a entre Douillet, Lady Di et Jospin, moi. Si vous me demandez mon avis. Enfin, c'est éminent. Oui. Le module, maman. On rit, s'il vous plaît. Bien jaune. On rit, s'il vous plaît. C'est impressionnant. Merci. Je vous en prie. C'est bien normal. Wacky Wack, mesdames et messieurs. Merci. Formidable. Merci. Il vous fait marrer rien qu'à le voir. Merci beaucoup. Ah oui, j'adorerais le voir.
Ah, c'est génial ce que vous faites. Ouh, j'ai mal au ventre. Ouh. Wookie. 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 Vous allez nous faire maintenant votre dernière imitation. Une imitation, je crois, toute neuve, vu que vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec un chanteur d'un groupe artistique, le groupe de U2. Vous êtes venu avec le groupe de U2, mais avec le chanteur de Bono. Bono, mesdames et messieurs, Bono. U2. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. I heard the news today. 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 Oh, oh, I cannot do much. I must have put oh, I am. Sunday, bloody Sunday. Oh, I cannot do much. Oh, Eric, arrête, arrête. Ouah, la basse. Arrête, arrête, arrête. Pourquoi? Pourquoi? Je sens. Tu sens, oui, je vois, mais tu transpires beaucoup, c'est normal. C'est très chaud. Mais je sens un malaise dans la salle sur ce sketch. Ah, parce qu'on se fout de la gueule des handicaps. Non, non, ça, je m'en fous, c'est pas ça. Le truc, c'est. Ah, non, c'est quoi? Je crois que. Oui. Tu te souviens de ce que disait Pierre Desproges? Ah oui. Tu te rappelles? Il disait, peut-on rire de U2? Je crois que c'était pas ça la vraie phrase de Pierre Desproges. Tu vois. Non, non, c'est sérieux, c'est une vraie belle phrase. Il disait, on peut rire de U2, mais pas avec n'importe Yuki. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est pas avec n'importe Yuki. Bien, nous arrivons maintenant à un moment dans le spectacle où Ramzy va nous interpréter un numéro solo. C'est un numéro exceptionnel, un numéro hors du commun, un numéro qui mélange relaxation, expression corporelle et histoire géo. Dans ce ferme-là, dans ce numéro, Ramzy, à l'aide de différents tableaux corporels, va nous relater l'histoire des États-Unis. Alors, c'est magnifique. Dans sa tête. Mais ça s'est pas toujours très très bien passé, notamment la semaine dernière à Enghien, il s'est fait caillasser. Donc il s'est isolé, il ne nous entend pas, il a un casque sur les oreilles. Je vous demanderai juste, lorsqu'il rentrera sur scène, de ne pas réagir. Pas de réaction, pas de rire, rien du tout. On le laisse faire son beau numéro. Il faut que vous sachiez quelque chose avant que ce numéro commence. Comment vous expliquer? Il existe des culs de black. Ok. Il existe des culs de chinois, il existe des culs de blancs, il y en a plein ici, ok? Mais il y a pire, il y a le cul dit concave. C'est un cul qui rejoint le zizi par l'intérieur, également appelé éclipse de cul. Alors Ramzy a la chance d'en posséder un, ou je devrais dire on a la chance que Ramzy en possède un. Je vous demanderai juste de ne pas vous focaliser sur son derrière. Je vais voir s'il est prêt. Pas de réaction, s'il vous plaît, lorsqu'il rentre sur scène. Ramzy, tu es prêt? Ok. C'est bon? Ok. Il est prêt. Pas de... Attention, c'est flippant. Hein. On dirait pas le corps à 50 cents, franchement. Attention. Par là, toujours par là. Reste par là. Merci. Voilà. Attention, par là. Reste là, tac, comme ça. Voilà, comme ça. Trois, comme ça. Très bien. Merci. Ce sont les escales de notre voyage. D'accord. Très bien. D'accord, merci. Ok. Je connais, il a mis une chaussette dans son slip. Hein. Il n'est pas comme ça. Hein? Ça va les chaussettes? Impeccable.
Antidérapante, c'est des antidérapantes. Ok. Très bien. Allez, attention, le plus flippant arrive. Impact dans 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Bing! Incroyable. Allez, Spider-Man. Ça va, man. Ok. Vas-y, le man. On le laisse tisser sa toile. J'ai besoin d'un petit échauffement. D'accord. Demande à s'échauffer. Pas de problème ? Non, très bien. Un petit échauffement. Un petit très bien. Ok, alors c'est parti, un petit échauffement. Merci bien. Merci. Oh, pas mal. Parfait. Hop là. Attention, attention à pas le perdre. Attention. Attention. Un grand zooker, apparemment. Ça va. Ok. Enfin, je trouve... Très bien, on va le laisser s'installer. Ramzy va être notre pilote pour ce beau voyage. C'est sa phrase. Attachez vos ceintures. Décollage. En 1492, les premiers pas de Christopher Columbus. La ruée vers l'or. En 1864, la guerre de sécession écartèle le nord et le sud. Le drame du Titanic. Oh oui. Ah, les poissons. En 1946, le Texas est dévasté par une invasion de sauterelles.
les années 80. Tout roule. Septembre 2001. Pour Ramzy ! Quel voyage ! Mais quel voyage ! Ramzy, votre strudel ! Ramzy ! Il est complètement malade, ce type. Je crois qu'il n'a pas conscience de son corps. Nous allons maintenant fermer la parenthèse du voyage et rouvrir la parenthèse de l'humour. Vous connaissez Gad Elmaleh ? Nous, on adore ce qu'il fait, notamment un sketch qu'il a trouvé. On est dégoûté, on aurait voulu le trouver avant lui. C'est le sketch de l'impro. On va faire exactement le même ce soir. On va vous demander des noms des situations qu'on va noter et on va vous faire un sketch pour vous, spécial dédicace ce soir. Ça vous va ? Ouais ! Ok, je vais chercher un stylo, un papier et je vais surtout écouter les Isabelle Huppert. Hein. On vous a laissé le temps de changer de camp. Allez, je vous écoute, les Huppert. Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Je ne comprends rien. J'ai entendu le chinois. Alors, Jamel Debbouze, le chinois. J'ai entendu col... Le quoi? Le chauve. Je me demande où tu vas chercher ça. Tu es très inspiré. Jamel Debbouze, le chinois, le chauve. Danny Boone. Elise Moon, on va mettre tous les comiques en fait. On va faire leur sketch, attends. Jamel Debbouze, le chinois, le chauve. Danny Boone. Guignol. Sparadrap, j'ai entendu Sparadrap. Ok. Alors. Ça donne Jamel Debbouze, le chinois, le chauve, Danny Boone, Guignol, Sparadrap. Eric, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un mec. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy? Eric, un mec est là-bas. Il est, je l'ai vu, j'étais en train de me changer là-bas. Ouais. Et là, un mec qui passe devant, en combinaison, à poil de combinaison. Ouais. L'homme sans cul. J'ai pas vu son cul. Personne l'a vu, en fait. Ah. Mmh. C'est le problème. Ramzy, le sketch de l'impro, ok, c'est parti. Ah non, Bruco, non, faut pas faire ce truc-là. Mais arrête, c'est Eric, génial. Il va avoir un procès. Mais Ramzy, mais non, ça. Allez, vas-y. Eric, c'est scandaleux. Mais c'est bon, mais il le saura jamais, c'est pas comme si on filmait là. Allez, Ramzy, vas-y, c'est bon. Allez, mais Ramzy, vas-y, allez. Non, je mais on est les rois de l'impro. Non. Non, Eric, non, c'est interdit de copier. Allez, regarde, les mots sont super. Oui, mais Gad, il prend des mots qui. Regarde. Jamel Debbouze, le chinois, le chauve, Papy, Danny Boone, Guignol, Sparadrap. Les mots, non mais les mots, ils vont pas... Ils sont nuls ces mots. Qui c'est qui t'a donné ces mots de merde? Les Texas Couscous. Oh la vache. Ça. Des mots de merde. Mon groupe, à moi, qui fait ça.
Merci mon groupe. Trop nul votre groupe. Non alors vas-y, ok, c'est bon. Non non non, je fais, moi je participe pas. Eric, c'est filmé. Mais Ramzy, Eric... mais c'est génial. Alors c'est parti. Ok, non. J'ai la situation. Je ne rien fais, je ne copie pas. J'ai la situation. Je suis un cosmonaute russe. Bah, je suis dans la station Mir. Ah, et à un moment, je veux pas être mêlé à ça. Je veux pas être mêlé à ça. Attends. À un moment donné, un extraterrestre vient frapper au hublot. Ok. Un extraterrestre. Ok, un extraterrestre. Attends, je fais pas l'extraterrestre, moi. Attends, mais Ramzy. Mais c'est obligé. Non, je fais pas l'extraterrestre. Mais Ramzy, t'as tout, t'as le physique, t'as tout. Je suis pas un physique d'extraterrestre. Mais Ramzy, dans mes pires cauchemars, on est envahi par des mecs comme toi. Bidi bidi, nous sommes les Ramzys. Avec nos tentacules, nous allons t'emporter dans notre planète. Des très jolis bras, c'est pas des tentacules. Alors, vas-y, c'est parti. Ok. Non, allez, ça démarre. Non, je suis dans la station. L'extraterrestre ne participe pas. Ничего страшного, dans свидания. Je vais continuer en français. Bah, tu sais pas parler le russe, surtout. Oh, j'ai entendu un bruit. Bizarre. Tiens, faut absolument que je prévienne mon collègue cosmonaute. Jamal Dubowski. Hop, j'ai fait. Je vais vérifier au hublot. Ah, je comprends pas, c'est du chinois pour moi. Attendez, je me chauffe, mollo. Il parle comme ça, Melia. Et là, on aurait dit qu'il y a un sas pour accéder au hublot. Et pour ouvrir le sas, il faut que je fasse un code. Tout, le chauve. Chut, attends. Je vais finir, mais je me régale. Danny Boy. Oh. C'est ouvert. Oh. Attendez. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est incroyable. Oh, bah, qui ça peut être? Dans l'hyperespace. Qui se balade, lui? Ils sont partout, ma parole, les Arabes. C'est fou, ça. Ils sont même dans l'espace. Ma parole, vous nous envahissez dans vous notre pays. Vous envahissez même dans l'espace, quoi. Vous êtes des sacrés guignols. Oh. Hop. Oh, bravo. Et là, tu réussis à ouvrir et tu te casses une tentacule. C'est pas radar. Et tu te casses une tentacule dans le hublot. Et on devient amis et je vais t'aider. Et on dirait qu'on devient amis et après on dirait on part à la plage. D'accord. Mais la plage de l'espace. Attention, une vague de l'espace. Alors vas-y, ok. Un poisson d'espace. Allez, vas-y, tes tentacules. C'est pas des tentacules. Hop. Non. Tu t'es pas coupé là? Ça va? Bah non, tu vois bien que je suis pas coupé là. T'es sûr que tu t'es pas coupé? J'en suis certain. T'as besoin de rien du tout? Rien du tout. Mercurochrome, non. Peut-être un petit peu de Nzaplast. Nzaplast? Non. Comme par exemple du sparadrap? Merci! Je suis épuisé. Merci du fond du cœur. Merci. Bravo Eric. Merci. Tu es vraiment le roi de la pro. Merci. Non, Eric, alors regarde, les gens ont adoré, tu l'entends, hein, ça c'est des réactions de gens qui adorent. Les gens ont adoré. Merci. Et alors du coup, comme vous avez aimé, on va vous en faire un deuxième. Oh, non, Eric, non. Si, parce que là je voudrais participer moi. Alors, demande là-haut. Demandez. Je voudrais participer et on va prendre des... Oh putain, attends. David, tu peux me prendre la bouteille là, prends-la. C'est un intermittent, pas de panique. Ouais, oui, bah oui, un petit peu. À deux carrément. C'est bon, ça sera réglé après. Ça sera, on va, t'inquiète. C'est con, t'as des enfants qui vont plus manger. C'est vraiment. C'est vraiment con pour tes mômes. S'il vous plaît. Non, pas s'il vous plaît. Ouais. Bon. Pour qu'ils sont mignons de toute façon. Un petit mot là-haut. Oui, mais on va reprendre un mot. Est-ce que la dernière personne du dernier rang peut me donner un mot, le premier qui lui passe par la tête? Amazonie, j'ai entendu Amazonie, je prends Amazonie, merci. Là, tiens, survêtement, un mot, le premier qui te passe par la tête, n'importe quoi. Chinois, Amazonie, chinois. Oh, barbe, j'adore les barbes. Monsieur Barbe, un mot, le premier qui vous vient par la tête. Le loup des Pyrénées, le loup, vous avez dit le loup. Très chameau, bien, pour c'est barbe, la région, hein, c'est pour ça certainement. Ouais. Bah, ça vient de Roubaix, les chameaux. Tac. L'enfant. Toi. Pardon. Du tabac? Ouais, bizarre. Du tabac? Bah ça fume très tôt. Du tabac? Tabac? Du tabac, ça marche. Du tabac. Les méfaits du tabac, on va faire un truc là-dessus. Okay. Le loup des Pyrénées, j'ai eu là-haut, ça. Pardon, qu'est-ce que t'as dit, toi? 90%? Ça veut rien dire. 90%, c'est pas... Bon, c'est un chiffre, mais on prend 90%, voilà. J'ai entendu aussi PSG. C'est... Alors, bon, c'est pas grave.
C'est pas grave. Allez-y, c'est pas grave. Alors ça nous donne, je résume, 90% Amazonie, Chinois, Loup des Pyrénées, PSG, méfait du tabac. Laissez-nous 30 secondes, on va se concentrer. Super. David, tu peux fermer le rideau, s'il te plaît? Stéphane, mets une petite musique, vite, fait, mais vite, vite, là, tout de suite. 20 secondes, l'histoire qu'on fraille, qu'on prépare l'impro. Un petit peu se concentrer, et après, on va vous amener une super impro, ok? Allez, tous avec moi. Clap, clap, clap et clap. Holy moly, le rideau se ferme! Attends, je reviens, je reviens. Merde. Power Design Emotion, il y a des bons trucs dans ouais, t'inquiète. Power Design Emotion. Ah bon, vas-y, vas-y. Si tous les Chinois prenaient un bain en même temps, et ben il y aurait plus d'eau pour tous les autres pendant au moins 2 ans. Pierre-Jean, tu peux remettre la cassette au début, je crois que c'est pété mon synthé. Non, arrête, arrête la musique. Arrête la musique, je ne peux pas continuer. Et il est pété. Allez, c'est pas grave. Il est pété. Si on continue à tuer le loup dans les Pyrénées, bientôt les petits cochons vont installer des maisons partout. Il est pété, je ne peux pas. Vas-y. Arrêtez là, je ne peux pas, c'est mort. C'est terminé, je ne peux... Il est cassé. Vas-y, putain. Je ne peux pas. Mais vas-y, c'est pas grave. Putain, mais il est pété, bordel de merde. T'es con ou quoi, putain? Vas-y, viens, c'est pas grave. Power Style Emotion. Putain, tu l'as pété. Power Style Emotion. Celui-là, il est beau, celui-là. T'inquiète. Power Style Emotion. Mais tu recommences pas. Power Style Emotion. Vas-y. La réussite du PSG, c'est certainement dans la qualité de ton centre de formation. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Là, tu te crois fort derrière tes petits boutons, ta petite console, hein? Arrête! Enculé! Arrête! Fais de combat! Continue. Putain! Allez, vas-y, allez, on y va. Allez, putain. Les humeurs meurent. Le tabac, tabac. Et les Peter Stevenson, faisant! Non, quoi? Vas-y, Oui, je sais, bah, je vais le dire. T'inquiète. Je viens de parler à la prod, tu passes à la compta, tu prends ton chèque. Non, pour... Eh ouais! Non! Loser! Non, putain, tu... Mais t'es relou, toi! Il passe pour moi! Power Style Emotion! Il passe pour moi, il s'en prend la bouche! Power Style Emotion! Power Style Emotion! N'importe quoi! Power Style! J'en peux plus! Non, ce que je voulais dire avant d'avoir mon petit problème de synthé, c'est que un quart des Vietnamiens pendant la guerre... Paroissiens, paroissiennes, je laisse maintenant la parole à Monseigneur Prince. Qu'est-ce que tu fais là? Mais putain, mais Eric, je fais l'autre quête, j'ai commencé l'autre quête là. Déjà? Mais bien déjà, tu vois bien qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien quand ça... Prévenez-moi, faites-moi un signal. Mais enlève tes lunettes et tu verras. Putain, tu combles 2 minutes. Bah, je vais combler, mais c'est nul là. Merde, putain. Allez vite. N'oubliez pas les jeunes. Power, desire, emotion. Attends, ça va, t'inquiète. Prends tes affaires, vas-y. Super, le rythme est complètement foutu. Voilà. Spectacle d'amateur. T'inquiète. Paroissien, paroissienne. Merci. Je laisse maintenant la parole à Monseigneur Pince. Monseigneur, si vous voulez bien, c'est à vous. Je suis là-bas. Oh, je... Pardon. Power, desire, emotion. Power, desire, emotion. Putain de putain.
J'en ai vu des cons, hein. Je peux te dire, j'en ai vu là. Mais alors là, toi, je recommence, je m'en fous, super personnage. Paroissien, paroissienne, je laisse maintenant la parole à Monseigneur Pince. Monseigneur, si vous voulez bien prendre la parole. Oh, vous êtes bien aimable. Tiens, pour la peine, vous pouvez m'appeler Pince, Monseigneur. Fidèles, fidèles, paroissiens, paroissiennes, nous sommes ici afin d'unir deux personnes qui s'aiment beaucoup d'amour. Monsieur Guy Ligili et Mademoiselle Gnioui Ninon. Mademoiselle Gnioui, c'est avec... Mademoiselle Gnioui, c'est nous... Mademoiselle Gnioui... Monsieur Ligui... Mademoiselle Gnioui... Fidèles, fidèles, Mademoiselle Gnioui, bonjour. Non, attends, non, je fais le marié, moi. Non, 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 tu vas faire la fille, tu vas ramasser, ça va être génial. Non, tu vas... mais on ne peut pas, Ramzy, c'est pas grave. Ramzy, la robe, fille, mais oui, mais la robe de mariée, c'est ta taille, c'est tes mesures. On s'en fout de la robe, tu mets la robe, je mets la robe, on met la robe, c'est pas grave, tu mets la robe, et puis c'est tout. Et puis Eric, est-ce que tu sais que tous les mecs qui jouent des rôles de filles, c'est eux qui ont des Oscars? Oh, oui. Eh oui, mon gars, c'est pour ça, moi, je te donne ce rôle. Tu as vu Tootsie? Mrs. Doubtfire, Nicole Kidman. Eh ben, tout ça, c'est des mecs, en vérité. Ouais, ouais, t'as raison. Allez, vas-y. Bien, nous allons donc pouvoir commencer cette union. Monsieur Ligili, vous êtes toujours avec nous? Deux personnages, en fait, c'est pour ça. Oh, non, non, moi, c'est pas... C'est assez simple. Oh. C'est rien, c'est mon métier, c'est tout. Ah, si je me suis endormi alors que c'est le jour de mon mariage, n'importe quoi. Bien. Nous allons donc pouvoir commencer. Avant de démarrer, je vais poser cette question habituelle. Y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui s'oppose à cette union dans Oui, ce moi. Cas... Je m'oppose à l'union, je m'oppose au sketch. Quoi? Attends, Ramzy, la robe, elle me va pas du Mais tout. Viens, viens, c'est pas grave. Viens, elle te va très bien, cette robe. N'importe quoi, j'ai l'air d'une conne. Oh, t'as pas l'air d'une conne, t'es très belle. Rentre. Oui. Hey, regarde, allez, allez, on y va. Allez. Allez, Eric, on y va. La mariée, la mariée, la mariée. Allez, Eric, rentre. Allez, voilà. Superbe, superbe, sublime. Tu es sublime. Tu es magnifique, Eric. Tu es magnifique. Ah oui, mais attends, ça forcément. Tu es superbe. Ça, 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 ça fait rêver, ça. Ça fait toujours marrer un déguisement, c'est sûr. C'est pas un déguisement, Eric. Quand on fait du théâtre, on appelle ça un costume, je te Allez, rappelle. Allez, vas-y, c'est bon. Ok, c'est un costume, c'est pas vas-y, un déguisement. C'est bon, alors, bien en ce jour béni, nous allons donc pouvoir démarrer. Monsieur. Monsieur Ligili, nous vous écoutons. Porte quoi celui-là? Ah, c'est donc maintenant que je dois prendre ma décision qui m'engage pour la vie. Oh, vous savez, je ne vais pas me décider comme ça, non. Oh non. Je vais demander à une personne qui m'est très chère. Mon oncle. Quoi? Oh, oh, fiston, ton vieil oncle est toujours attends, derrière. Et oui, je bénis. Ma gueule, ou quoi, c'est qui cet oncle, Ramzy, là? Attends, mais c'est qui ça? Le père de la mariée, c'est rien. Mais je fais quoi en attendant? Je vais rajouter ta tante. Non, j'ai fait la copine de la mariée. Mais laisse-moi finir, mon personnage. Je suis sûr qu'il va te tromper. Non, Eric, non, Eric. Je te jure. Eric. Il a les yeux rouges. Eric. Il est pris en photo, il a les yeux rouges. Non, Eric, non, non. C'est ça, non. C'est bête, c'est bête. Non. Je te jure, non, non, non. Eric. Hein? Tu ne peux pas, tu ne peux pas faire deux personnages avec un seul costume. Attends, t'en fais trois, t'as même pas de costume. Allô, t'es... Ouais, mais comment dire, moi je suis comédien. Bien, je continue. Alors, le grand-père. Attends, ça va être à toi, Eric, ça va être génial quand ça va être à toi. Oh, fiston, je bénis cette union. Bien, je meurs ce si beau jour, pourquoi? Ça va. Personnage, c'est le personnage. Papi. Oh. Papi mucho. Eric, attends, sérieux, attends. Ça va être à toi, sois prêt, laisse-moi faire mon truc. Oh, je meurs. Nom de Dieu. Aïe. Heureusement que je passais dans le coin, moi, le bossu. Tiens, cet homme a besoin d'un docteur à tout prix. Y a-t-il un docteur dans la salle?
Quoi, un docteur? Qui a demandé un docteur? Je suis docteur. Où est votre malade? Bonsoir, je suis le docteur Bacha. Comment allez-vous? Oui. Poussez-vous, je suis Brancardier. Non, putain, non. Eric, laisse-moi finir mes super personnages. Oh, oui, effectivement. C'est un homme qui a commandé de Nemo. Non, Eric. Non. Eric, il est dans le coma, là. Je fais quoi, moi, là? Je fais quoi? T'attends, ça va être. Non, j'attends pas. Je suis là à attendre avec ma pauvre robe de merde depuis tout à l'heure. C'est pas une robe de merde, ça. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ramasser tout de suite, c'est ça? Autant que toi, on est un duo. Mais un duo, mais il y a un moment, et un moment je joue, un moment tu joues, un moment je joue. Oh putain. Alors allez, on va niquer le sketch, c'est parti. Monsieur veut exister tout de suite. Putain. J'ai trouvé un super personnage, le livreur de Nem en mariage. Il s'embrouille avec la mariée après. Quoi? Tu me donnes mes deux euros? Vas-y, donne-la-t'en, baisse les yeux, ferme ta gueule. Pas, tenu ta race. Pris l'embrouille, tic, bam. Sidekick, kick in the face. Unit. Dis sa mère. Mais ça va tranquille, ça va le marié? Ça va? Pas bien le mariage, ça se passe bien? C'est bien, c'est important se marier. C'est important. Pas tenu ta race. Il n'y que les deux, le marié, la mariée. C'est quoi, il y a un problème? Caca. Pas le unique. Arrêtez de me sécher là. C'est de la coup neuve. Neuf toi. On essaie de créer un super truc et tout ça, tu nous ramènes le chinois. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'était un livreur, c'est pas le même. C'était un livreur qui vient de la Courneuve, mon pauvre garçon. Alors voilà. Tiens, je t'ai ramené des trucs que tu devais porter à la fin. Et c'est des trucs pour faire rigoler. Alors normalement, les accessoires rigolos, ça fait toujours rire. Mais c'est con parce que c'était pour après. Ça, c'est hilarant. Ça te gêne, ça? Vas-y, oui. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you, John Fitzgerald Kennedy. Wow, il y a de l'aération, quoi, ici. Arrêtez de regarder sous ma robe. C'est une église avec aération, bien sûr, et le métro juste en dessous. C'est une impro, ça? Ouais. C'est de la merde. On perd du temps, les gens veulent voir que mes super personnages, je le sais. J'en étais où? Le docteur. Oh oui, bonsoir, je suis docteur. Oh, comment ça se passe? Oh oui, oh là là, oui, effectivement, il faut te transporter à l'hôpital. Quelqu'un aurait-il un véhicule dans l'assemblée? Oui, moi. Oui, mademoiselle, je vous écoute. Hey, je ne suis pas une demoiselle. Je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 54 ans, je suis chauffeur de taxi. Et je suis sa femme. Non, il est célibataire. Oh, j'ai 54 ans, je suis chauffeur de taxi. Aïe, aïe, ça va? C'est le personnage, toujours. Papi. Non. Oh, j'ai une broche dans la cuisse que j'ai eue au Vietnam. Poussez-vous, je suis bronchologue. Non, mais putain, mais attends, à ta place, un peu. Oh, mon slip. Ramasse ton slop et laisse-moi tranquille. Mon stérilet. Ah ben ça, t'auras pas de bébé, hein. Non, mais j'aurais des poissons. Tu te rends compte, t'es sur un bateau, tu fais merde, on a oublié le filet. Attendez. Ouais, ouais, c'est un rouge aime. C'est une truite, il ressemble à son père. Ok, d'accord, allez, super. Tac, hop, super personnage de chauffeur de taxi. Hop, j'en étais à la broche. Hop, oh! Je vous raconterai ça une autre fois. En ce qui concerne votre malade, il va falloir se serrer dans mon taxi, car je n'ai qu'une Smart. Bah c'est con, moi j'ai un tramway carrément, on peut tous monter. Putain Eric, mais arrête de profiter. Ramzy, je n'ai pas de place. Mais alors à quoi ça sert? Le sketch s'appelait La mariée était sublime. Ah non Eric, non. Attends, t'as pas reçu mon email? J'ai changé le titre. Oui, ben, moi, mais j'ai changé le titre. Ah bon. Oui, le sketch a changé. Il s'appelle La mariée avait une tâche. Ah, j'aime pas ce titre, oui. La mariée avait une tâche. Au cul. Qui c'est qui fait la mariée dans ce sketch? C'est moi, je sais. Qui c'est qui a la tâche au cul? C'est moi. Alors Eric, putain. Bon, allez, je vais te le dire. Quelle est la première personne dans le musical qui a joué La mariée avait une tâche au cul? Russell Crowe. Non. Gwyneth Paltrow. Non. Evander Holyfield. Non. Mike Tyson. Non. Heavyweight of the world for the Wrestling Federation.
From the Colorado, 65 pounds. Vas-y, on les perd, on les perd. On laisse les gens s'asseoir. Petite vessie. Ah, ça fait déjà 4 fois, vous y allez. Ça va mieux? On peut finir notre quête, c'est vous qui nous avez sorti de notre truc. Allez, Je savais, mon pauvre. On termine là, putain. Comment s'appelle ce sketch? Gna gna gna, la mariée avait une tache au cul. Qui fait la mariée? C'est gna gna. Est-ce que tu sais qui est la première personne? Oui, alors, c'est une kermesse, c'est un spectacle de kermesse. C'est pas professionnel du tout. Et alors, on a dit qu'on était des pros? Non, on n'a pas dit. On a dit, c'est écrit quelque part sur la fiche, des pros? Non. Des amateurs. Heavyweights of the world. Mike Tyson. Arrête. On a tout perdu. Non, vas-y, allez. Oh non. Tu sais quelle est la première personne qui a fait le sketch de la mariée avec une tache au cul? Russell Crowe? Non. Mais qui donc alors? Edith Piaf. Oh, la vache! Non, la chanteuse. Merci, au revoir. Merci. Non, on finit. On finit le mariage. Allez, on finit ce mariage. Allez, regarde. Allez, on règle ça. Hop. Monsieur Ligili, nous vous écoutons. Cette voix. Monsieur Ligili. C'est à vous. Tu aimes bien cette voix? J'ai l'impression qu'elle te fait des petits frissons, n'est-ce pas? Vous avez une voix à se damner. De Sedan? Une voix sedanée? Se damner. Monsieur Ligili, nous vous écoutons. Oh! C'est donc maintenant que je prends ma décision, et bien vous savez, je ne vais pas dire non à Ninon, mais oui à Ninon. Et Gni, oui. Waouh, merci. Merci, monsieur. Bravo, chérie. Arrête, là, tu vois. Ok, vas-y. Bien. Mademoiselle Gni, oui. C'est à vous. Oh, je l'aime tellement. Attends, Ramzi, je ne vais pas lui dire non. Je l'aime. Ramzi, c'est moi. C'est moi, la mariée. Putain, j'ai tout. J'ai les cheveux, j'ai les dents, j'ai la robe. Merde. Franchement, je finis. Donne-moi mon texte. Il me reste un personnage. Donne-moi mon texte. Putain. Putain, encore 2 rougets. Belle pêche ce soir. Écoute, on va le mettre là-bas, je crois qu'il y a des dauphins. Allez, Poupoule, on y va. Alors, donc, moi... Tu veux le finir, vas-y, oui. Fais ton super texte, allez, vas-y. La question. Mademoiselle Gnioui, voulez-vous vous marier? La première fois que j'ai rencontré... Que le texte. Ça va, on a nettoyé, c'est bon. Ça va, c'est propre. C'est oui. Vas-y, voilà. C'est bon. Bien, je vous déclare donc unis par les liens sacrés du mariage. Vous voilà époux et époute. Merci. Voilà, Eric. Et le moment dont je te parle depuis tout à l'heure où tu vas ramasser, c'est maintenant. T'avais pas à te presser. T'es prêt, Eric? Ça va être à toi. Tu as ton mot. Oh, t'as perdu une dent. Oh mon Dieu! Non, je ne veux pas que mon mari me voit comme ça. Il est hors de question que je me marie avec celle-là, moi. Celle que j'avais commandée, elle avait des dents. Non, parce qu'avant, c'était classe. Ouais, et ben ça me plaît. Allez, vas-y, c'est bon. Tu auras 1 euro demain matin. Eric, tu es prêt? Tu es prêt à recevoir le top? Le théâtre est à toi, la France te regarde. Eric. Top. Allez, Eric. Top ta chocu. Depuis le début du sketch, j'essaye de créer des personnages, donner corps à une situation.
Et lui, il veut me ramener à une vulgaire tache au cul. Pour moi, c'est pas ça le théâtre. Oh non. Pour moi, le vrai théâtre, le beau théâtre, c'est de savoir flirter avec le ridicule. Oh oui. Sans jamais tomber dedans. Bonsoir. Vous savez où vous êtes ici, c'est la douane américaine. Monsieur Dutilleul, Monsieur Dutilleul, vous savez où vous êtes ici, c'est la douane américaine. Alors suivez-moi. Non mais ça va pas ou quoi? Vous croyez où là? Non, it's okay, Dembon. Oh merde. Je dis Dembon, je suis couré. On l'a refait, Stéphane. Monsieur Dutilleul, vous savez où vous êtes ici, c'est la douane américaine. Alors suivez-moi. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais vous croyez où? Non, non, mais oh, il toi qu'à Michel. Oh, Michel, 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 on va jamais réussir. On coupe tout de suite. Monsieur Dutilleul, vous savez où vous êtes ici? C'est la douane américaine. Alors suivez-moi. Mais tu dois m'arrêter. Oh merde, mais il est con. Mais on va regarder. Il est con, putain. Coupe direct, on la tourne demain, celle-là. Walking in the park just the other day, I know that you saw me when you looked away. You were holding his hand like you once held mine, and the stars fell down. Woo! My name is Jimmy Jam. Thank you. Vous êtes une super audience.
Mais plus tard qu'hier soir, je rentre chez moi et je croise un SDF avec une pancarte marquée « J'ai faim ». Je vais le voir, joyeux je vais... Joyeux anniversaire. Quoi? Mais c'est pas aujourd'hui, moi, c'est le 10. C'est le 10. Coupe. Pas, c'est... Coupe, ah, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Coupe. In the middle of the night, I dreamed you were lying by my side, and I reached out to touch you in the empty space. It's been such a long time since I kissed your face. Oh, it ain't easy. Virage à gauche, virage à droite, virage tout droit. Vénusien, vénusienne, nous allons bientôt à Vénusir. Je sors maintenant le train d'Avénusissage. Qu'est-ce qui se passe, Bulgon? Vous n'avez pas l'air dans votre soucoupe. Non, arrête. Sortez Eric, la Eric, Eric, oui. Vénusissage, je ne peux pas dire Vénusissage. Il faut une autre planète. Mais elle est géniale, cette Allez, planète. Une autre. Pélib. Virage à gauche, virage à droite. Virage en tortillade. Virage en twist et twist. Virage des années 60. Virage Elvis. Planète Hollywood. Planète Hollywoodien, planète hollywoodienne. Je sors maintenant le train d'A Planète Hollywoodissage. Qu'est-ce qui se passe, Bruce Willis? Vous n'avez pas l'air dans votre César Salade. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Costume de merde, texte de merde. Costume de merde? Ouais. Les costumes sont de ma sœur, les textes sont de moi, c'est génial. T'énerve pas. Moi, je te dis, ce sketch, il est tellement nul, jamais on le fera sur scène. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça sera le meilleur sketch du spectacle. Il sera en intro du spectacle. Et si c'est pas ça, c'est moi qui mets la robe de mariée. Paris tenu. Eric, on fait comment pour la fin? Parce que écoute, après, il y a le générique. Si à la fin ça se passe mal, on s'arrête à la robe de mariée, on se casse. J'aime bien faire le coup des dents, je te fais le coup des dents parce ouais, que c'est marrant. Ouais, et après on se barre. Mais si ça se passe bien, parce qu'on n'a pas l'habitude des bides. Quand même, si des fois. Par contre, si ça se passe très bien, on revient et à la fin on gueule. Bonsoir à tous! Au revoir! Texas couscous! Isabelle Huppert! Texas couscous! Isabelle Huppert! Texas couscous! Isabelle Huppert! Texas couscous! 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 Texas Nobody sees him, and no one.
walking in the park just the other day. I know that you saw me when you looked away.